Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Génération PS2 en compagnie du jeu qui s'appelle Matsimo, un vieux jeu voilà qui est pas très connu du monde humain, si je peux le dire. Tiens, prends ça dans ta petite tronche. Oui, je cherchais un petit mot mais bon c'est pas grave. Alors je ne sais pas, oui il me faut le bouclier qui aspire pour avoir le diamant qui est juste là. À mon avis il n'y a pas d'autre moyen et puis... Il n'y a rien de safe, on va dire. Hop. Parce que c'est un jeu, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui me rejoignent, c'est un jeu ultra hardcore, qui est très difficile, voilà, du coup. Hein. Puis c'est parti pour le village vaudou. Enfin, j'ai lu le village vaudou, mais je suis pas certain, en fait. Village vaudou, si. C'est bizarre. Encore dans les marais, parce que c'est le thème de ce deuxième monde. Nous avons déjà fait le premier monde qui était sur le thème des morts vivants, sur le thème des tombes. Ah, oh, la vache. Bâtard. Ouais, je vais éviter quand même de croiser des crocos. Putain, ceux-là, ils m'ont enlevé tout mon stuff. Le petit salaud de ce croco là. Ils me font déjà chier dans les vidéos Far Cry. Alors il y en a à droite. Oh, il m'a fait mal. C'est un zombie qui fait mal quand il meurt. Ah, c'est chaud. Hop, je regarde derrière parce que j'ai des zombies derrière moi, enfin des méchants derrière moi, si je peux le dire. Non, c'est... Oh, super, j'ai bien fait de le tuer, j'ai une épée en feu. Yo. Fuck you, le crocodile, s'il te plaît. Putain, faut que je récupère de la vie, alors je sais pas combien. J'ai 294 pièces d'or. Je pense que je suis là, si je peux prendre une potion à 50 pièces d'or, j'hésiterai pas. Il y a un checkpoint juste là. Ah, ça va pas activer mon pouvoir spécial qui m'aurait fait perdre 5 bâtons de feu là, en haut à gauche. Sûrement un crocodile par là, je regarde s'il y a des bulles. Oh, ouais, mais sûrement un crocodile. Putain, il m'a fait flipper. C'est peut-être utile pour avoir des... Ouais, je vais quand même le tuer, le mec, là. Très bien. Ouais, non, il veut pas... Hop, il veut pas venir. Alors, en général, ça va être 30 minutes pour ces vidéos, mais en fait, ça va être juste le temps d'un seul niveau. Alors, il n'y a pas de crocodile, donc tant mieux, mais... Ouais, je vais essayer de tuer un maximum d'ennemis pour choper un maximum d'items. Caleçon monograne. Alors là, je savais même pas que ça existait, ça. Et pour être sincère, 300 pièces d'or, jamais de la vie. Merci. C'est sympathique pour cette pièce, pour cette potion. Je vais monter en haut un petit coup pour voir s'il y a un petit truc. Franchement, j'adore ce jeu, il est sympathique, franchement. C'est pas, faut pas le juger à ses graphismes. Ceux qui le jugent à ses graphismes. Non, je ne juge. Ouh, une épée. Ouh. Une épée, un sabre laser, on dirait. Je vais pas le prendre, ça sert à rien. Par contre, une armure. Ah bah tiens, j'ai de la chance d'avoir une deuxième clé. Yeah! Ah, c'est pas une armure, dommage. C'est pas grave. Hop, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'il y avait en haut? Une clé. Bah, je vais remonter et essayer de sauter. On prend notre temps, tranquillou, les amis. Hop. Je vais essayer de sauter. Yeah! Super, ça s'est bien passé. Je vais détruire ça de zone pour voir. Ouais, bon, c'était rien. C'était rien, on va dire.
Alors j'ai hâte de tester cette épée sur un mob. Fuck you. You are comprendo. Ouais, je parle toutes les langues. C'est ça, c'est ça. À mon avis, si je tombe dans le truc, je suis mort. Ouh, ça la one shot là. Ça rigole pas mon épée, ça one shot assez facilement. Merci pour la vie. Je regarde. Alors il y a putain. Sérieux, ils mettent des clés ici. Non, je vais pas tenter le diable. Plus les vis, c'est ouais, voilà, une chose qu'il faut que je précise, je pense. Oh, le one shot. Une chose qu'il faut que je précise, c'est que d'ailleurs, je regarde ça. Un coup vers le bas, Tiff. Cette capacité à déterrer les trésors enfuis. Triomphe pour exécuter un coup vers le bas. Ouais, c'est bizarre. Voilà, faut payer 100 pièces d'or pour sauvegarder. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas voulu acheter le truc à 300 pièces d'or. Ah, fais chier. J'ai failli mourir. Pas beaucoup de vie. On a pas beaucoup de vie. Là, il me reste 4 vies. Après, c'est le game over, me semble. Parce que j'ai plus de coins de trucs pour revenir dans le monde réel. Enfin, dans le monde des vivants. Trop classe. Ah, tant mieux, il y a... Oh, putain, j'ai peur. Ah, j'ai le checkpoint 2 secondes. Je sais pas ce qu'elle a spécial, cette épée. Oula. Oh, comment je l'ai coupé en un coup. Alors, il y a de la vie juste là. Que je vais m'empresser de prendre, voilà. Alors des fois c'est vert, des fois c'est rouge. À mon avis, les rouges rapportent plus. Ce serait d'une certaine logique. Je vais essayer de... J'imagine en fait qu'il y a une armure dans le coffre que je n'ai pas pu ouvrir. Sérieux? Je sais pas si je peux monter sur ça. Oui, c'est bon. Ça va aller tranquillou. Ça va aller. Ouf, j'ai peur sur ce genre de plateforme, mais ça va aller. Une armure. Classe. Ça y est, j'ai récupéré mon armure que j'avais perdu. C'est quoi ça? Ok. Merci. Là, non, je vais essayer je vais éviter de mourir. Ça serait très très con. Je regardais juste s'il y avait un cœur en haut. J'ai failli ne pas y croire. Hop, on récupère ça. Je vais passer à droite, à mon avis. Il y a un petit bonus. Hop. Ou à moins de sauter à gauche, le bonus. Dans ce cas, je retourne en arrière. Oh, j'ai encore débloqué un bonus. Une épée magique peut lancer un écrou magique. Ah yes, ça c'est ce que j'avais débloqué juste avant de mourir à l'épisode précédent. Désolé du spoil, mais voilà, c'est... Crève, salope. À mon avis, à gauche, il y avait un passage. Du coup, je vais retourner à gauche. Nous sommes qu'à 10 minutes, après tout. Hop, on va retourner derrière. Hop, une petite piécette, pourquoi pas. Alors normalement, il n'y a aucun risque puisque les monstres ne peuvent pas respawn. Tant que je suis pas mort, me semble. Ouh, sympa ça. Sympa, sympa. C'est le genre de choses qui font plaisir. Hop. Encore un. Tant mieux, ça gâche pas de coups en haut à gauche. Ça aurait été vraiment des... chiant. Ah oui, alors puis appuyer sur triangle pour exécuter un coup vers le bas. Non. Ah, je croyais c'était un objet à déterrer, mais non, apparemment. Ouais, mais si, on a l'impression hein.
Alors je peux tester plusieurs fois puisque... Alors je vais regarder encore une fois. Un coup vers le bas active cette capacité magique à déterrer un trésor en puis appuyer sur croix pour... Puis appuyer sur triangle pour exécuter un coup vers le bas. J'aime bien me mettre dans le coin mais bon. Non, apparemment ça a rien du tout, c'est juste le décor. je crois pas que je peux aller dans l'eau. Non, je vais pas chercher la mer non plus. Là à mon avis je pouvais pas, alors d'autre côté je peux pas. Bon c'est pas grave, au moins on sera sûr hein. On sera sûr de pas avoir fait de conneries. C'est parti, let's go. Ça va, c'est beaucoup plus... Bah, après peut-être que c'est parce que j'ai pris du niveau. C'est beaucoup plus simple qu'avant je trouve. Bon, au niveau des plateformes c'est sûr c'est plus simple parce que... J'aime pas la complicité dans les plateformes. J'aime pas mourir tout simplement à cause d'un beau vaisseau. Comme ceci. Ouf. Sympathique. J'aurais préféré rester en haut en fait, je crois. Ouais, après, il y a des squelettes en haut. Je peux retourner en arrière ou bien? Peut-être. Ouais. Ouais, d'accord. C'est sûr, si je tombe dans l'eau, je meurs. Et franchement, depuis le dernier épisode, à la fin du dernier épisode, j'ai vraiment peur de tomber dans l'eau maintenant. Comment ça one shot, j'adore. Yop. One shot. Oh oh oh. Là en fait j'ai fait le double. Ça lance un écrou. Et j'ai récupéré une épée à l'ancienne. J'ai vu un cœur tout à l'heure. Ouais. Je vais y aller doucement. Ah ouais d'accord, en fait ça rejoignait ce qu'on avait vu tout à l'heure, ça rejoignait ici en fait. Ouais, c'était bien, bel et bien un piège. Si je peux dire c'est un piège. Je peux récupérer le stuff. C'est quoi ça? Je m'en fous. Non! Mourir comme ça, mais non! Qu'est-ce que ça là? Oh non, je suis deg! En plus, j'étais bien parti et tout, aucune mort. En mode PGM, j'ai perdu mes skills comme d'hab. Oh putain! Ouais bon c'est pas grave, ça arrive, même au meilleur ça arrive comme vous pouvez le voir. Plus j'étais à la fin du niveau, il me semble, hein, quelque part par là, c'est dommage parce que... Mais qu'est-ce que t'as, le zombie qui... Hey, il va me lâcher les couilles lui. Arrête de sucer. Mais, ah salope. Il m'arrive vraiment tout. Alors je viens de débloquer, je sais plus quoi. Ouais, l'écrou magique, bon ça va, il est sympa celui-là. Il est sympa. Je viens de détruire le truc là-bas. Ouais, puis je sais toujours pas à quoi ça sert les lucioles, si vous savez, comme par hasard. À mon avis, non, vous le savez pas, mais bon. On sait jamais. Alors moi, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Ah, j'ai plus d'épée magique, du coup je peux plus faire mon écrou bizarre. Je vais regarder à gauche. Ouais, je me disais, il y a un truc là. Ouais, bah c'est le même en fait, putain. Ça m'a déstabilisé. Hop, c'est bon, nous sommes à la fin du niveau. Hop, on récupère ça, pourquoi pas. Il y a plus d'armure, hein, tant mieux. Fuck les armures au bout d'un moment, ça m'a fait perdre une vie. D'ailleurs, il me semble que j'en ai perdu qu'une seule. Non, j'en ai perdu deux. Ah, il me semble que j'en ai perdu deux, mais je m'en rappelle plus.
Moi j'en ai perdu qu'une seule. Ah non, ah je sais plus. Biatch. Oh, j'adore ce qui s'est passé. Ah, nous sommes à la fin du niveau. J'adore ce que... Hier, je vais pouvoir récupérer le truc. Hier, j'ai fini le niveau. Bah voilà. Je vais pouvoir récupérer le diamant qui était que je vous ai parlé au début là. Biatch, tu crèves un peu. Merci pour le soin. Ok, en fait les verres ça restaure pas toute la vie. Je vais descendre les escaliers pour récupérer quelques petites piécettes. Putain, je serais tombé dans la boue là. J'aurais un petit peu rage quitte. Eh bah ouais, ça fait tomber deux marches en même temps. Ouais bon, c'est bon, on va pas prendre plus de risques. Let's go. Ouais merde. Let's go. Putain la vache, je l'ai fini vite fait cet épisode hein. Ah bah ça devait être des épisodes de 30 minutes mais bon. On va pas dire non pour une fois que je réussis bien. Je sais plus combien de fois j'ai été mort, mais en tout cas je suis à 20% du jeu. Comme quoi voilà, ça va. Je suis loin d'avoir fini. Alors on va vite fait voir ce qu'on va faire pour le prochain épisode. Alors plus de mobs hein. Je vais éviter de finir cet épisode en caleçon. Putain, j'ai dit je vais épuiser. Non, pas en caleçon. Ce serait la honte. Putain, j'ai bien cru que j'allais finir en caleçon. Oh hier, ça y est. J'ai le truc hyper cheaté de la mort qui tue que j'avais chopé la dernière fois. Voilà, augmente. Je peux avoir 4 barres d'armure. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Maintenant, je vais éviter de sauter dans l'eau comme au dernier épisode. Là, il y a un petit truc. Voilà. Bon bah ça va, franchement j'ai pas trop fail dans cet épisode, ça me plaît. Merci, merci, merci fumier. Tu vas crever, ça, tu peux compter sur moi. Voilà. C'est dommage, c'est dommage. Oh, après c'est bon, on va récupérer une autre des armures. Moi je vais... Non c'est bon, ah c'est pour lancer le bouclier, c'est pas pour aspirer avec le bouclier, c'est dommage. C'est dommage, je vais juste te tuer toi parce que je t'aime pas. On va continuer pour vous montrer un petit peu à quoi va ressembler le prochain épisode. Enfin, quel va être le niveau du prochain épisode plutôt. Si je meurs, hein, je vous dis. Ah, d'ailleurs, je vais sauvegarder juste avant, comme ça, j'ai pas de problème. C'est pas que je vais mourir, c'est que. Voilà, si je tombe malencontreusement dans l'eau, voilà, que j'évite. Voilà, mort. Comme ça, je préfère sauvegarder. Ouh, un petit diamant au passage, merci. Fuck you, moucheron. Je me pose un moucheron. Non, c'est pas comme ça. 5 coins pour sauvegarder. Alors, on peut revenir aussi au cimetière en payant 100 pièces d'or. Et là, je vais sauvegarder la partie en payant 100 pièces d'or. Sauvegarde, réussi. Ça, c'est cool. Et bien voilà, je vais quand même vous présenter les lieux du prochain épisode. Pour voilà, pour faire un petit peu durer l'épisode, pourquoi pas, je sais pas. Hop. J'ai l'impression qu'on peut aller dans l'eau. Ouais, non, mais c'est bon, fais pas ton malin, toi. Biatch. Faut que je trouve une manière safe, ouais. En faisant trois croix triangle, je peux les tuer facilement, ces petites pédales de poissonneux. Puis on va voir deux secondes. Quel va être le nom du niveau, comme ça là, on va... J'ai même pas compris pourquoi ça s'appelait village vaudou, je sais pas quoi. Ah dommage, c'est le même. J'ai cru ça c'était un autre. Et hop, hop, et hop. Tu crèves mon petit pote. Hop, là il y a un petit truc, une petite pièce d'or. Ah oui, j'ai trouvé comment. 3 triangles. Non, attends. Ah bah apparemment on va peut-être avoir accès à un skill qui va permettre de sauter plus haut. J'ai bien dit apparemment. Prochain épisode,
On se retrouvera pour les sauces, les amis. Sur ce, je vous dis à plus pour le prochain épisode. Et à demain sûrement pour du Digimon ou un petit truc comme ça. Allez, tchuss.